ce 23 mars 2019 est un grand jour pour la population de la sous-préfecture de Tourba dans la province de Hadjer Lemiss. Cette date marque l'installation et l'intronisation du chef de canton de Assalédé, le député Mohamed Djibril Nimr, nommé par le décret numéro 047 du 16 janvier 2019. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet Béchir Mohamed Tahir, représentant les gouverneurs de la province de Hadjer Lemiss, quelques membres du gouvernement, des députés, des membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut MPS, des autorités administratives et traditionnelles, ceux du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, à leur tête le président de l'institution Cheikh Mohamed Takhatir Issa. Et plusieurs autres invités ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. D'entrée des jeux, le président du comité d'organisation Abakar Moussa Kalé a salué la mobilisation de tous. Vous avez bien voulu honorer de votre présence cette grandiose cérémonie pour témoigner votre attachement à notre communauté. Cette grande mobilisation de l'événement démontre à suffisance la grandeur de toute la communauté à Salé. C'est le lieu tout indiqué pour exprimer notre profonde reconnaissance au président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, son Excellence Idriss Déby Itno, d'avoir érigé notre canton et le confier à notre frère, oncle et papa, l'honorable député Mohamed Djibril Nimr. Toute la communauté Assal vous dit merci. Monsieur le Président de la République vous rassure de son inconditionnel et indéfectible soutien. Il est également de mon devoir d'exprimer toute ma gratitude à vous qui avez fait le déplacement de Tourba en bravant cette route sablonneuse et poussiéreuse, en sacrifiant votre précieux temps et surtout votre précieux week-end pour assister à cette cérémonie. Je serais ingrat si je ne dis pas cette cérémonie n'aurait pas eu lieu si toutes les familles qui ont depuis de cette canicule ne sont pas jouées à accueillir toute la foule. Recevez ici toute notre reconnaissance. Je serais ingrat si je ne dis pas merci à ces femmes, à ces hommes, Anthony, qui en dépit de cette canicule, ont pu accueillir toute la foule et se démènent pour rendre le séjour agréable. Les territoires s'étendaient du rayon du canal jusqu'au rayon du Baghrimi. La conquête des territoires a occasionné de multiples batailles, dont celle opposant les deux ethnies frères, à savoir Arabe Assalé et Arabe Dagana, durant plusieurs décennies, occasionnant des milliers de pertes en vie humaine, se sont soldées par un rétrécissement de leur territoire. Pour mémoire, nous citons la plus grande, les dernières batailles appelées communément la bataille d'Iran, localité située non loin du rocher derrière la mise. Et la plus féroce et la plus sanglante en son genre. Après celle-ci, une certaine accalmie s'est instaurée entre les deux premiers, entraînant par la suite
une paix définitive. En ce temps, avant l'arrivée des colons français, la communauté arabe à Salé était dirigée par un guide appelé communément chef. Ce dernier représente l'autorité suprême de la communauté et en a suivi sa mission. La communauté arabe à Salé, avant l'arrivée des colons français, Cheikh Souleymane Wal Ali, Cheikh Habib Wal Baloula, Cheikh Hamiski Wal Khalil, Cheikh Djibel Wal Younous, Cheikh Ibrahim Wal Kajaber, Cheikh Kajaber Wal Ali Al-Aswai, Cheikh Younous Wal Ibrahim, Cheikh Al-Yamanouk Wal Ibrahim, Cheikh Al-Gadam Wal Al-Yamanouk, Cheikh Abdul Qadir Wal Al-Gadam, Cheikh Bihimit Wal Jibel. Et ci-dessus, celles des chefs et chefs des cantons arabes à Salé ont dirigé successivement la communauté arabe à Salé après l'arrivée du colon français. Cheikh Terra Wald Abdel Qadir, Cheikh Hamid Wald Abdel Qadir, le chef des cantons, Cheikh Tahid Wald Abdel Qadir, le chef des cantons Abbas Wal Mihimit et le chef des cantons Tidjani Abbas Mihimit. Il fallait également souligner qu'après le règne des chefs Tahir, Wal Abdel Qadir, Abbas Wal Mihimit le succédant, puis 10 ans après, c'est-à-dire en 1947, puis la création du canton de la zone, le canton Assalé, à son trône, le chef de canton Abbas Wal Mihimit Jibel. Après son décès en 1982, son fils Tidjani Abbas Mihimit prendra la reine. Jusqu'à nos jours. Mais après la décentralisation, le canton arabe à Salé est restructuré suite au décret numéro 1666-PR-MATSTGL 2018 du 16 octobre 2018 comme suit. Le canton à Salé 1, dirigé par Sa Majesté Tidjani Abbas Mihimit, le canton à Salé 2. Après cette phase, les sous-préfets intérimaires de Tourba, Adoum Abdelrahman Borgo, procèdent à l'installation officielle du nouveau chef de canton. J'ai l'honneur et grand plaisir de prendre la parole. Cette cérémonie marqua l'installation du chef de canton Assali II dans la sous-préfecture de Tourba, créée par décret numéro 1666, 16 octobre 2019. M. Mohamed Dimiri Nimir, né vers 1945 à Ganatir Tourba, marié et père de 12 enfants. Mohamed Nimir Djibril est entré à la fonction publique en 1966, intégré en 1977, élu député en 1997 et occupé plusieurs postes de la responsabilité. Le nouveau chef de canton, Assalé II, a d'abord remercié le président de la République, Idrissa Déby Itno, pour cette confiance en le nommant à la tête de ses cantons. C'est pour moi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à Tourba. À l'occasion de mon installation, votre présence me renforce et m'encourage à assumer ma nouvelle fonction avec assiduité et abnégation. Permettez-moi une fois de plus
de formuler mes voeux les plus sincères à la haute autorité du pays, le président de la République, Idriss Déby Itno, de m'avoir fait honneur et confiance et en me nommant chef de canton à Sale 2. Cet acte plein d'espoir pour ma communauté ne sera pas trahi à l'ère de la 4e République qui nous commande un changement de comportement et de mentalité. Je prends un engagement solennel de respecter et faire respecter l'hiérarchie administrative, la bonne collaboration avec le canton Kanimbungim et le canton Asale 1 est indispensable pour le redressement de notre cité. Pour finir, je vous souhaite à chacune et chacun de vous de bons retours auprès de vos familles respectives. Pour témoigner leur affection et solidarité, comme le veut la tradition, au nouveau chef de canton de Asale 2, ses collègues lui ont remis des cadeaux. Des chevaux ont été offerts par le chef de canton de Deguenenki, le général Oumar Kadjalami Boukar, et celui de canton Badé, Brahim Badé. La fête a été belle pour les membres de la communauté. Le nouveau chef de canton de Asale 2, Mahamat Djibril Nimir, est né en 1945 à Ganature, une localité située à 15 km de la sous-préfecture de Tourba. Il a fait ses études primaires à l'école officielle de Massakori et secondaire en Djamena. Mahamat Djibril Nimir a été intégré à la fonction publique en 1966. Député à l'Assemblée nationale de la première législature de 1996 à nos jours. Le chef de canton Mahamat Djibril Nimir, marié et père de 12 enfants.